Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver en simultané sur les chaînes AFPA de YouTube, de Twitch et de Facebook pour aujourd'hui relever ensemble un vrai challenge, zéro déchet. On va cuisiner avec zéro déchet, zéro gaspillage avec notre chef Frédéric Djebri. Bonjour chef. Bonjour. Voilà, on est toujours dans les cuisines du village AFPA de Stain en direct. Et alors, on va couper le son derrière. Donc, on est dans ces cuisines pédagogiques du village AFPA de Stain. C'est ici que les stagiaires de l'AFPA apprennent le métier de cuisinier. C'est les cuisiniers, c'est les commis, c'est les agents de restauration qui apprennent tous ces métiers. Et dans notre challenge qui est zéro déchet, on va s'arrêter quelques instants sur les assiettes qui sont là. Parce que ça va être le cœur de notre dispositif, le cœur de nos deux plats principaux. On a un plat principal et un dessert exactement aujourd'hui. Alors par exemple, ça, on voit tout ce que c'est des zestes d'orange. Donc on va travailler l'orange. Donc on a travaillé l'orange. Donc on est venu donc avec le zesteur râpé donc pour pouvoir avoir du zeste. Alors c'est ça qu'on va faire le zoom. Donc voilà. On a récupéré le zeste et on en fait une poudre. Voilà, donc cette poudre va pouvoir être desséchée et derrière réutilisée sur des marinades. Voilà, ou même sur des croûtes d'herbe avec de la chapelure à l'intérieur. Ici, donc, on est venu donc réaliser donc des zestes au couteau qu'on est venu confire dans un deuxième temps. Voilà. Donc, pour confire, on verra la recette tout à l'heure, évidemment, en détail. Eau, sucre et blanchi minimum 3 fois. Nous avons donc la peau d'orange. Donc, on va réaliser avec... Donc, cette poire d'orange, un gâteau. Nous avons en plat principal, donc, un petit marron qui va être travaillé pour pouvoir utiliser la totalité du petit marron. Donc, nous aurons ici, donc, les graines. Alors, c'est des pépins. Alors, ça, c'est des pépins de quoi qu'on montre à nos amis? Petit marron. Petit marron. C'est ce qu'on a récupéré dans notre petit marron. Ça, c'est les graines de courge. C'est pour venir, on va dire, agrémenter. Et puis, on vous met déjà l'eau à la bouche. Ça va devenir ça? Tout à fait. Les crackers. Les crackers. On en parle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ces herbes qui sont présentes. Alors, on va réaliser, donc, avec un parassis, donc, on va réaliser des gnocchis. Donc, qu'on va venir parfumer, donc, toujours sur le même principe. Nous avons pris un citron qu'on va réaliser, donc, des zestes que j'ai fait dessécher et qui va venir aromatiser donc notre gnocchi et on y mettra aussi une émulsion à balle de sauge plus on va dire un petit peu de persil à l'intérieur de gnocchi pour apporter un peu de couleur pour que ce soit plus agréable. On a fait aussi un travail autour de la poire, voilà, donc on est venu faire des chips de poire, donc on va les dessécher au four donc à 65 degrés, voilà, pendant on va dire 2-3 heures. Nous avions donc notre pain là. Donc notre pain là, on va venir le parer. Donc derrière, donc j'ai bien mes petites parures de pain que j'ai fait dessécher, qui va me permettre de faire une chapelure que j'ai aromatisée donc au thym. Voilà, donc cette chapelure va me permettre de venir paner un produit ou faire une croûte de pain, voilà, pour apporter un croustillant. Une petite panure qui sent super bon. Ah, ça sent le thym. Ça sent le thym, ça sent la Provence. Et puis, on est sur quelque chose où on n'aura aucun déchet. J'ai utilisé de A à Z. Alors, c'est notre challenge de la journée, zéro déchet. On est vraiment dans le cadre du zéro déchet, dans le cadre de la semaine nationale et européenne de réduction des déchets qui se déroule jusqu'à dimanche, jusqu'au 24 novembre. Et c'est également deux recettes qu'on va vous proposer aujourd'hui, deux recettes qui entrent dans le cadre de l'esprit Live Foster. L'esprit Live Foster, on peut s'y arrêter quelques instants, chef, parce que c'est un esprit aussi qui est développé à l'AFPA. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'on constate
dans les cuisines qu'on a énormément de déchets, on a énormément, on va dire, de produits qui pourraient être valorisés et qui sont aujourd'hui jetés. Il va falloir, dans nos formations, être en capacité d'intégrer justement la valorisation des différents déchets que on avait, que demain je ne dois plus avoir. Donc, par exemple, là, on a un petit marron. Le petit marron, on va l'utiliser de A à Z. La poire, on va l'utiliser de A à Z. Le parassis est un produit qu'on a souvent en restauration. Genre, on fait déjà de la chapelure, mais là, on va aller un peu plus loin. Voilà. Et vous allez voir, par la suite, il est possible de faire énormément de choses. Alors, donc, on va faire deux recettes hein, ensemble. On a, il nous reste une heure et 25 minutes, chef, pour réaliser un plat principal et réaliser un dessert. Dis-nous en plus, qu'est-ce qu'on va réaliser ? Alors, première chose, je pense qu'il faut qu'on prenne des forces. Donc, je t'ai préparé un petit jus d'orange, hein, voilà, hein, ce qui va nous permettre d'utiliser dans un deuxième temps, donc justement, nos oranges. Voilà. Donc, pour créer le déchet avec le zeste d'orange, il faut boire le jus d'orange avant, hein, ou alors où on a gardé un zeste quelque part. D'ailleurs, un zeste d'orange, on peut le garder combien de temps ? Alors, s'il est réduit en poudre ou s'il est confit, ça peut se garder facilement une semaine sans aucun problème. Surtout, on va dire, à la maison. Même s'il est un peu sec, on peut quand même l'utiliser, il n'y a pas de... Alors, s'il est confit, il va être dans un sirop, donc il ne peut pas être sec. Et le deuxième, si on le fait dessécher, on va avoir une poudre, donc pas d'eau, donc développement microbien, quasiment zéro. Alors, on détaille les deux plats qu'on va réaliser, le plat principal et le dessert. D'abord, on va commencer par un millefeuille de poire croustillante et de potiron. Oui. Donc ça, c'est la première chose qu'on va réaliser. Et derrière, on va réaliser donc notre gâteau d'orange. Donc là, de pelure d'orange. Voilà. Chef, c'est oui. À toi. Voilà, on va commencer. Donc, alors. Donc, on a bien donc le petit donc pelure d'orange. Hein, voilà, j'en mets une petite cinquième, vu qu'on était gourmand. Donc, on rappelle, c'est notre challenge zéro déchet. On utilise tout ce qui peut rester d'utilisation précédente. Hein. Ben là, vous voyez bien, les morceaux d'orange. Il reste juste la peau d'orange. En général, on la jette directement à la poubelle. Là, on va faire du gâteau. Pour ceux qui ont suivi des épisodes précédents, on se souvient qu'on avait utilisé aussi de la peau de banane. Même peau de banane un peu noire, on en avait fait un gâteau délicieux à l'époque, chef. Tout à fait. Et ben là, ça va être encore meilleur. Oh, ça va être une vraie merveille. Aussi bon. Aussi bon. Donc, alors meilleur. Aussi bon. Meilleur après une histoire de goût. Donc les goûts, les couleurs, malheureusement, ça. C'est... Donc là, donc je vais prendre donc les oranges qu'on a pressées tout à l'heure hein, pour pouvoir se faire un petit jus. On va montrer à nos amis. Ouais, tenez. On va donc les cuire 1h40. Voilà, donc faire attention bien sûr à pas trop d'avoir d'évaporation d'eau, hein. Le but c'est quand même qu'elles cuisent. Donc je vais les mettre à cuire. Allez, voilà. On rappelle que ici c'est la cuisine pédagogique hein, de l'AFPA à Stein, c'est juste à côté de Paris. C'est ici qu'aussi les stagiaires viennent se former pour apprendre le métier de cuisinier, mais aussi de commis ou encore agent de restauration, avec des professionnels, les formateurs de l'AFPA qui sont issus du monde professionnel. C'est le cas de Frédéric, notre chef aujourd'hui. Donc c'est vraiment des fourneaux qu'on peut retrouver dans un restaurant haut de gamme comme dans un restaurant de collectivité. Ah, de toute façon, l'AFPA est au plus près du monde du travail. Le matériel qu'on utilise est un matériel professionnel pour permettre justement aux stagiaires de pouvoir mettre en œuvre les différentes techniques et qu'ils soient surtout être en capacité de réaliser la même chose en entreprise. Donc, on a différents fourneaux. Par exemple, on a eu des petites choses au niveau des feux. Là, on a des feux sans veilleuse. Mais on a aussi au bout du fourneau des feux avec veilleuse, simplement pour que les stagiaires se rendent compte que voilà, il y a des feux où je vais pouvoir faire une économie d'énergie parce que j'ai des veilleuses, il y en a d'autres où je ne pourrais pas, mais je vais essayer, on va dire, de les utiliser à bon escient, donc de les allumer simplement quand j'en ai besoin et pas le matin avant d'arriver comme tout cuisinier faisait. Les autres professionnels formateurs à l'AFPA sont en capacité, comme toi Frédéric, de former sur tous ces matériels, ce qui fait qu'après on est véritablement opérationnel dans le monde de l'entreprise, dans des restaurants haut de gamme comme dans des restaurants de collectivité. On poursuit. Alors, la recette, chef ? Tout à fait. Donc on va mettre notre petit marron donc, à cuire. Donc vu que le papier aluminium est quand même
quelque chose qui n'est pas très sain. Voilà, hein. Donc je vais prendre une feuille de papier sulfu. Voilà. Et derrière, je vais pouvoir complètement enrober mon petit marron. Voilà. Alors, le but du jeu là est très intéressant, c'est que le produit va cuire totalement avec son eau de végétation. Donc je n'aurai pas de déperdition au niveau du goût, parce que je ne vais pas le cuire dans de l'eau. À partir du moment où j'ai cuit un produit dans de l'eau, j'ai une perdition en goût. Là, il va être cuit avec son eau de végétation. Donc je devrais avoir un goût nettement plus prononcé. Et ce qui va me permettre en plus d'utiliser la peau, parce que la peau sera totalement cuite. Donc c'est une cuisson papillote. À l'étouffée. Papillote, c'est quand on rajoute des éléments supplémentaires à l'intérieur, c'est ça? Non, on est sur le même principe. D'accord. Voilà, mais je préfère dire à l'étouffée. Bon. Donc, four, donc là, par contre, 160, 2 heures. Les fours sont là aussi, de la même façon qu'ici vous avez tout le matériel professionnel, en dessous vous avez les fours professionnels, là on en a 1, 2, 3, 4 de notre côté, autant de l'autre côté. Tout à fait, donc même chose, nous avons des fours à gaz et des fours électriques, toujours sur le principe que le stagiaire soit en capacité de maîtriser une chauffe électrique et une chauffe gaz qui est totalement différent. Donc là je vais m'installer. Ah, tu m'as piqué mon couteau. Ah, voilà, donc vous avez vu, on a bien libéré l'espace. On respecte les règles d'hygiène et de sécurité. Toujours. Tout est propre, hein, on vérifie. Oui, tout est propre, même en dessous. C'est parfait, on est prêt. On a tous mis le tablier, vous avez vu. Et on va respecter toutes ces règles d'hygiène. On redit aussi que, en fait, ici, tout se récupère. On ne jette pas, il y a zéro déchet, mais également aussi pour tous les récipients. Tout à fait. Donc, les récipients sont réutilisables, hein, donc sont lavés. Et réutilisé par la suite. Alors, donc tout à l'heure, je parlais de zeste. Nicolas, puis-je avoir mon zesteur qui était tout à l'heure sur le plan de travail? Merci. Alors, il y a quelques mots sur Nicolas, hein, puisque tu as appelé Nicolas qui est avec IF. Nous. C'est l'ingénieur de formation, voilà. Donc à l'AFPA, qui participe à l'étroite réalisation de ce tournage. Donc là, par exemple, hein, vu que je vais avoir besoin d'un jus de citron, donc pour éviter que mes poires s'oxydent, eh ben, je vais profiter pour garder mes zestes, pouvoir les faire dessécher. Et pour pouvoir aromatiser, ben là on va aromatiser donc le gnocchi avec, mais moi j'aime bien aussi sur un poisson gravlax, ce genre de choses, donc un poisson qui a été mariné, y rajouter, on va dire en surface, hein, justement cette petite poudre de zeste de citron, voilà, qui va me faire une panure dessus et qui va m'apporter un certain petit velours en bouche qui est très intéressant. Voilà cette petite réalisation qui sent très bon, faut le dire. On sent le citron vert. On en a plein le nez là. Ah, on en a plein les narines et c'est vraiment délicieux. Voilà, vous voyez un petit peu plus. Bon, ça tu peux le prendre et le mettre au four. Directement, comme ça. Voilà, comme ça. Dans un four, on va dire à 60 degrés, simplement pour que mon four, on va dire, dessèche sans brûler. Donc, alors, si je n'ai que l'embarras du choix. Quel four faut-il choisir? Celui que je veux. Celui-là. Voilà. Allez, hop. C'est parti, il est enfourné. Et le gâteau que l'on fait là avec les oranges, je pense qu'il doit être possible de le réaliser avec notre citron vert aussi, un citron jaune, sans aucun problème. Parce que là, on relève un challenge, hein, zéro déchet. On peut le faire, donc on fait avec de l'orange. On pourrait faire le gâteau aussi avec autre chose. Un citron, parce qu'on reste sur de l'agrume, donc je pense que ça doit totalement fonctionner. Voilà, donc c'est des idées, on les développera ensemble aussi tout au long de cette émission. Mais voilà, zéro déchet, c'est dans le cadre de la semaine européenne du recyclage, hein. On utilise tout ce qui devait à l'origine partir à la poubelle, parce que on peut vraiment s'en servir, et on essaye vraiment dans cette émission sur les antennes de l'AFPA, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch, de vous apprendre et de vous montrer comment nos formateurs à l'AFPA sont
plein d'imagination, ils sont en capacité de former leurs stagiaires et de former vous également à un geste professionnel, même avec des déchets. Tout à fait. Donc là, on va réaliser nos chips. Donc à la limite, si tu veux mettre une paire de gants qui se trouve derrière nous. Alors, jolie paire de gants bleus. Tu les passes dans le citron et après tu les poses donc sur la feuille de papier sulfure. Donc là, on va réaliser des tranches de 3 à 4 mm. Donc je retourne, hein, c'est ça? Tout à fait, 3 à 4 mm d'épaisseur pour pouvoir les dessécher au four. Donc là, le fait de les citronner, ça empêche qu'elles noircissent. Qu'elles noircissent, hein. Qu'elles s'oxydent. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que si vous voyez bien, hein, j'y mets tout, les pépins, tout. Donc j'ai aucun déchet et je vais réutiliser mes entames là pour pouvoir réaliser donc une petite purée de poire que je vais mettre à cuire tout de suite. Quelle est la variété des poires? Voilà, je pense que c'est la poire William. On ne doit pas être loin. C'est la saison. D'accord. Donc un fruit de saison. Zéro déchet avec un fruit de saison. On réutilise, on garde là, tout. De toute façon, on ne travaillera qu'avec des fruits de saison ou des légumes de saison. Le but du jeu est quand même d'avoir... Voilà, ça c'est simplement pour ma petite poire. Parce qu'il y a quand même une philosophie autour de l'utilisation des déchets, c'est aussi de participer à l'empreinte carbone, de participer à tout ce qui peut abîmer notre planète. Et ça, ça fait partie aussi d'utiliser tous ces fruits et légumes de saison. Ça, je prends. Ah, j'étais trop vite. Oui, donc, alors, voilà, tu fais voir. Et derrière, même chose, tu peux mettre dans le four avec le petit zeste. Et alors, même four ou un autre? Même four. Ah, par contre, tu as des températures qui sont assez basses, donc ça ne devrait pas... brûlé. Donc là, je reprends donc mes petites poires, hein. Donc toujours mes entames de poire, voilà. La température est tellement basse, chef, j'ai l'impression que vrai, le four est pas très fort en fait. Non, le four est vraiment pas très fort, bon. Il est à pas plus de 65 degrés. Bon, voilà. Alors. Donc là, j'ai mes petites poires, hein. Voilà, j'ai simplement mis un petit peu d'eau à l'intérieur ben, pour pouvoir les réduire un petit peu en bouillie, hein. Donc un petit peu comme une marmelade ou une compote. Et on va donc maintenant laisser gentiment cuire. Alors, petit coup de propre. Voilà, on est toujours dans la cuisine à pas. J'ai encore gardé mes gants. Est-ce que je garde mes gants, chef? Non, vous pouvez. Bon, j'enlève mes gants, c'est dommage. C'est usage certains unique, styles. Donc, ah oui. Vous avez fini de réaliser ce que vous devez réaliser, vous les changez. D'accord. Voilà. Sinon, après, on partira sur les contaminations croisées et c'est pas bien du tout. Alors, une bonne règle à suivre, tu vois, que j'ignorais. Donc, ça rentre dans le cadre de HACCP, hein, cette fameuse règle d'hygiène et de sécurité qu'on apprend aussi à l'AFPA. Donc, les gants, alors ça, on ne va pas le recycler, ça part à la poubelle. Alors, c'est en train de cuire ici, donc ça c'est nos zestes d'orange qui cuisent, hein, nos peaux d'orange. Voilà. Ici on a rajouté nos petits carrés de poire, hein, qui sont par ici. Et en dessous, ici, on va surveiller, il y a le four avec les zestes de citron vert et les tranches de poire. Tout est là, tout est en train de cuire. Vraiment, c'est pas très fort. Tu es sûr qu'il fonctionne le four? J'ai vraiment l'impression que c'est très très bon. Bon, alors, donc, c'est le chef. Nous a commencé donc sur les gnocchis. Voilà, parce que bon, la pâte doit reposer un petit peu, donc on va commencer par les gnocchis. Alors, vous vous rappelez, mon pain que j'ai retiré donc les côtés, d'accord, pour avoir quelque chose qui reste blanc. Nous avons fait bien sûr avec le reste de pain une chapelure. Hein. Donc c'est bien du pain. On dirait pas ce qu'un épi de maïs, hein, ou de blé d'Inde, comme disent les Québécois de loin, mais ouais, non, c'est bien façon, du pain. Voilà, ah ouais. C'est la façon que je vais de tailler. Ouais. Donc là, mon pain. Peux-tu me donner un cul de poule? C'est le récipient qui est en demi-sphère. Donc là, je vais couper donc des petits cubes. C'est tous les mêmes, hein, on va récupérer notre... Ouais. Voilà. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct sur les antennes des réseaux de l'AFPA, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch, et que vous pouvez nous poser des questions
Hein, on vous attend. On est là pour y répondre. C'est Hélène qui participe à sélectionner l'ensemble des questions. Non pas qu'on les sélectionne et qu'on va, on va pas répondre à toutes les questions, mais c'est en quelque sorte que vous les envoyez pour que je puisse y répondre. Donc, je vois qu'Hélène me fait signe qu'on a une question. C'est pour combien de personnes notre recette aujourd'hui, chef? Alors, nous allons réaliser une assiette. Hein. Une assiette, mais les recettes sont pour 4 personnes. Donc ça, c'est pour l'assiette, et pour le gâteau, on peut dire que c'est pour 4 personnes aussi. Oui. Après, tout dépend quand même, ces personnes mangent. Oui, tout le monde, c'est gourmand. Pour nous, ça serait que pour tous les deux. Sinon, ça peut être jusqu'à 8. Si on n'en est pas gourmand. 6. Si, si vous faites une petite entrée, parce que là, Foster, c'est aussi se rendre compte que bah, on mange peut-être un peu trop. Voilà, donc peut-être revenir à des produits un peu plus de qualité, mais petites à moindre poids, je pense. Ça, c'est mon opinion, que j'espère que les gens partagent. Alors, donc, je vais me prendre le pain. Voilà. Alors, les recettes seront bien entendu disponibles en téléchargement sur les réseaux de l'AFPA, dont bien sûr sur Facebook hein, et sur YouTube. Vous pourrez les récupérer après que nous ayons réalisé étape par étape ces deux recettes importantes, donc un plat principal et un dessert, un gâteau avec des zestes d'orange. Peux-tu remettre une paire de gants, s'il te plaît? Oui, chef. Alors, donc, là, on va venir humidifier notre pain, parce que bon, il est un peu plus que rassis, il est quasiment sec, donc on va venir humidifier ça. Alors là, nous on va venir l'humidifier donc avec un peu d'eau, mais je pourrais très bien venir l'humidifier avec un peu de lait de soja, voilà. Alors, donc tac. Ça y est, j'ai mis les gants. Alors, allez, on vient là. Allez, tu presses tout ça. Tu m'en fais une bouillie. Je fais une bouillie. Fais une bouillie. Vas-y. Hein. Tu peux y aller. Hein. Ah, voilà, écrasé, d'accord. Voilà, je préfère quand tu travailles comme ça. Voilà, hein, on n'a pas peur. On y va, de toute façon... Là, la seule chose que l'on veut, c'est quelque chose qui soit entièrement mouillé. Et on malaxe, et on malaxe, et on malaxe. Voilà, hop, ça bouge en même temps, vous voyez. C'est en temps réel. On est actuellement en train de cuisiner en temps réel, étape par étape, dans le cadre de la semaine européenne anti-gaspi, hein, recyclage aussi de toutes les matières. On ne gâche rien, on ne jette rien, on recycle. Donc là, c'était du pain rassis qui avait combien de jours? Bah, qui était dur. Hein. Ouais. Il était dur, donc il y avait bien 4 jours. Hein. On aurait pu en faire du pain perdu aussi. Oui, mais c'est quelque chose d'assez classique. On va dire que les cuisiniers connaissent. Là, le but du jeu, c'est vraiment ouvrir l'esprit aux cuisiniers pour qu'ils soient en capacité de sortir un petit peu de ces carcans. Voilà, hein, donc des choses qu'on connaît et qu'on a l'habitude de valoriser. Là, on va pouvoir le valoriser différemment. Donc, Alors, là, on enlève les gants. Hein. C'est bien, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Ah non, pas dedans. Non, pas dedans, la poubelle. Voilà, c'est parti. Regardez comme c'est beau. Alors, donc, allez. Derrière, tu vas mélanger. Donc là, on va prendre... Là, je remets pas de gants puisqu'on utilise un instrument. Voilà. Tiens, cadeau. Donc, alors... Donc, notre pain, il va falloir qu'on l'aromatise, qu'il soit un peu plus agréable en bouche. Donc, on va mettre du parmesan. On va y mettre un œuf. Donc du parmesan râpé, hein. Oui, tout à fait. Oui, on a utilisé. Je vais reprendre. Allez, je ne suis pas assez efficace, c'est ça que tu veux dire. Bon. Je ne suis pas assez efficace, c'est ça que tu veux dire. Oui. Non, mais on a 1h30. Non. On va dire ça. Ben, il ne nous reste plus 1h30, hein. Il nous reste 1h07. Donc là, vous allez voir que ma bite pain va former une pâte. Hein. Voilà. Hein. Alors, on va mettre donc nos petits zestes de citron. Voilà, pour pouvoir aromatiser gentiment. J'en garde un petit peu quand même. Voilà.
Le champ du possible dans le recyclage des denrées alimentaires qu'on aurait pu jeter est très très vaste. On peut penser à vraiment recycler plein de choses. Aujourd'hui, vu que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut recycler. Il y a beaucoup de produits qu'on a l'habitude de jeter, qu'aujourd'hui on peut venir valoriser parce qu'on va trouver des recettes, on va trouver, on va dire, un état d'esprit qui va nous permettre assez facilement de venir valoriser l'ensemble de nos produits. Est-ce qu'on peut utiliser tout type de pain pour faire la pâte que tu viens de réaliser? Alors, il est intéressant justement d'utiliser différents types de pain. Par exemple, les personnes qui seraient allergiques au gluten et qui ont des pains sans gluten, ça se réalisera exactement de la même façon. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Voilà, par contre, moi j'ai mis de la farine, donc là, vous trouverez bien sûr autre chose. Donc ça, au frais. Donc, on récupère, on voit notre pâte. Donc ça, c'est du pain blanc, on va dire traditionnel. Oui. Hein, on va partir, on récupère le frigo. Chef, montre-moi le frigo, on va utiliser frigo. Celui-là. On est parti vers le frigo qui est ici. Un petit chouïa de farine sur le dessus, d'accord, hein, pour vraiment... Voilà. Quel est l'intérêt de rajouter de la farine comme ça sur... Parce qu'elle va prendre un petit peu d'humidité au frigo, donc... Et donc ça, la farine va absorber l'humidité. Absorbe l'humidité. D'accord. Donc là, il nous restera notre sauge, notre petite persil, notre pain qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors, faut pousser violemment. D'accord. Attention. On est assez violent en cuisine. Ah. Voilà. Alors, on poursuit notre challenge. Toujours maintenant, notre challenge depuis les cuisines pédagogiques de l'AFPA dans le village AFPA de Stain, c'est juste à côté de Paris. Zéro déchet, on est anti-gaspi aujourd'hui, on fait que de la récupération en fait. On n'est pas allé chercher dans les poubelles, mais dans des produits qu'on aurait pu jeter, hein, des morceaux d'orange qui nous avaient servi auparavant pour faire un jus de fruits qui était également très délicieux. Là, on va en faire un gâteau. D'ailleurs, c'est en train de cuire ici, je ne vais pas toucher à la poêle parce que je sens que c'est chaud. Et on récupère aussi plein de choses, on a récupéré du pain, on n'a pas fait du pain perdu, on va en faire, qu'est-ce qu'on va en faire chef, rappelez-nous, des gnocchis de pain, je vais vous dire, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, on a une courge qui était dans le four. Alors, j'ai pris un peu d'avance hein, parce que 2 heures de cuisson, voilà. Donc, là, sans avoir triché, on avait un petit peu anticipé, il faut tout vous dire, hein, parce que sinon on n'aurait pas réussi à tenir en 1h30. Donc la courge là a cuit combien de temps celle-là? 2 heures. Donc regardez un petit peu. Là, tu vois, là, quand je vais l'ouvrir, hein, la courge. Donc la courge au bout de 2 heures elle de cuisson. Bien là. Voilà, regardez comment ça sent. Ça sent bon, très bon. Voilà ma courge. L'avantage, c'est que si je regardais ma peau, je la sens plus. Et on a tout laissé hein, dans la courge, on le rappelle. Tout. Tout y est. Même le petit bout là. Tout y est. Tout y est. Donc je vais retirer. Voilà, pour pouvoir un peu l'ouvrir en deux et vous rendre compte. Sens-tu cette odeur? Ça là, sent très bon. Ça parfume énormément. On n'y pense pas assez, hein, la courge. Ça a une très bonne odeur et on peut en faire plein de plats différents. Alors, là, le but du jeu maintenant, et ça, c'est plus pour toi. Donc, tu peux prendre des gants. Donc, ça, le petit chapeau là. Voilà ma perte, à la limite je vais peut-être pouvoir la garder pour la mettre en décoration. On va récupérer les pépins j'imagine. Tout à fait, ouais. Tu vas récupérer les pépins. Bon, regardez un petit peu cette cuisson. On a une recette avec... La peau qui est généralement assez dure. Hein. Là regardez comment elle se casse toute seule. Hein. Donc je vais pouvoir mixer sans aucun souci. Donc toi tu récupères la partie chair et peau et moi je vais récupérer... Voilà ce que je vais te laisser. Hein, donc je vais me pousser un petit peu... C'est mon repas de ce soir ou... Pour qu'on puisse correctement... Attends, excuse-moi, parce que ça a un petit peu coulé. Donc on continue à travailler proprement. Tenez, voilà. Alors, là ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu me sépares les pépins. Des petits cheveux qui est à l'intérieur. Je peux utiliser les cuillères ou c'est avec les doigts? Avec les doigts, t'as mis des gants. D'accord. Bon, Après, si ça te brûle pas,
C'est l'essentiel. Est-ce que ça te brûle? Non, non, ça va. Non, bah tu vois. Tu vois, comme quoi les cuissons à basse température sont quand même intéressantes. Là, tu as fait cuire, quand on dit basse température, c'est à quelle là, température? Non, là, j'ai fait cuire à 160 pendant 2 heures. C'est ce qu'on appelle quand même une basse température? Oui, ça pourrait, mais bon, basse température, pour moi, c'est quand on est en dessous de 100. Mais après, ça ne tient qu'à moi. Les graines, je les mets ici? Ouais, tout à fait. D'accord. Faut les éparpiller? Oui, on va dire en gros. Hein. Donc, 2 heures de cuisson. Hein, on a un petit peu anticipé, nous, la cuisson. Avant l'émission, on avait commencé à mettre au four. Hein, sinon, c'est 2 heures d'émission. Comme c'est entouré de papier d'aluminium, hein, on fait à l'étouffer. Ça veut dire qu'on on voit pas véritablement si c'est cuit à l'intérieur. Alors, il y en a qui nous donnent un coup de couteau pour voir si c'est cuit. C'est non, pas non, une bonne simple, idée. D'accord. Vous pressez votre papillote et vous allez voir tout de suite la cuisson, dans le sens où votre petit marron était quand même un produit qui reste très, très ferme. Là, vous allez l'écraser comme si je mettais, on va dire, mes doigts dans une plaquette de beurre qui reste à température ambiante. Voilà. Et le but du jeu, de toute façon, vu qu'on réalise là une purée, j'aurais pas besoin. Je vais attendre un petit peu parce que c'est un peu chaud là pour tout te dire, chef. D'accord. Bon, bah, attendez un petit peu. Hein. Donc, vous ferez attention de ne pas vous brûler. Alors, on se brûle un petit peu moins avec les gants, mais quand même, pour l'instant, c'est un petit peu chaud. Donc là, on va faire 2 plats différents, hein, c'est ça? Oui. On fait un plat. Donc. On fait un plat, mais à l'intérieur de ce plat-là, on va mettre différentes techniques qui vont être liées soit sur le petit rond, soit, on va dire, sur notre poire. Donc là, j'en fais combien? Je mets toutes les graines et tu veux toutes... On va mettre un maximum. De toute façon, le but du jeu, c'est vraiment valoriser un maximum de produits. Si j'ai de la chair qui... Même si moi, j'en ai déjà fait d'avance, voilà, c'est bien faire comprendre aux personnes que le but du jeu, c'est réutiliser toute la chair. Toutes les graines. Alors, je ne vais pas vous dévoiler la suite de la recette pour l'instant. Mais je l'ai déjà goûté. Je peux vous dire que vous avez envie de sauver le maximum de graines. Hein, parce que c'est vraiment délicieux. Et après, ces graines, je pourrais très bien les faire sécher. Venir les saler, donner mes graines comme ça en apéritif, hein, exactement comme des pipasoles qui aujourd'hui est assez à la mode chez les enfants. Et c'est bien meilleur d'un point de vue calorique, les cacahuètes ou des produits comme ça qu'on peut retrouver à l'apéritif. Ce que vous pouvez trouver, on va dire, en grande surface, au moins là c'est vous qui l'avez fait, donc vous savez ce qu'il y a dedans. Donc je te laisse faire ça. Donc il nous reste qu'une heure, hein. On va essayer de faire assez vite, mais parce que je vois Hélène qui nous regarde avec des gros yeux, qui est la gardienne de l'horloge, qui dit attention plus vite. Bon, on va peut-être pas tout mettre, hein, chef. Non, on reste simplement sur une démonstration, bien sûr. Hein. Donc par contre, on peut tout mettre si on a un petit peu de temps, effectivement. Donc après, je vais récupérer le reste et après on le fera tout à l'heure. Hein. Nous on ne gâche rien, on continuera tout à l'heure une fois qu'on aura fini l'émission. On vous rappelle qu'on est en direct, hein, c'est vraiment... Mais par contre, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que voilà, tous les cheveux, généralement, hein, qu'on ne garde pas, là, je vais pouvoir les mettre dans ma purée. Rassure nos amis, quand tu parles des cheveux, c'est pas les miens, hein, c'est le... Je ne sais pas comment te dire. Bon, voilà, c'est dans le petit marron. Voilà, dans le petit marron. Ce qui tient les graines. Voilà, donc c'est les cheveux du petit marron, pas les miens. On fait toujours attention quand on cuisine à ne pas avoir des cheveux qui tombent dans le plat. Dans le four. Oui. Ok, tranquillement. Donc tu le mets à celui à 160, celui d'où j'ai sorti le petit marron, et puis nickel. Alors, hop, on retourne là-bas. Combien de temps ça va cuire, mes petites graines? Je cherche pas à les cuire, je sais simplement à venir les dessécher. D'accord. Voilà, donc, alors, dans un deuxième temps, je vais prendre mes petites choses à moi. Tac, voilà. Alors, c'est l'occasion, chef, pendant que tu prépares tes ingrédients suivants, de vous rappeler que l'AFPA, depuis longtemps, développe des recettes sur les réseaux sociaux. On a créé notamment 4 MOOC spéciales cuisine. Hein, on félicite encore toute l'équipe de l'ingénierie, Loïc et toutes les équipes, Eric notamment, je pense, Eric Mocuit, le chef, participe à 4 MOOC différents. Et on va continuer avec vous. On a plus de 135 000 inscriptions cumulées sur ces MOOC. Et évidemment, on a plus d'aussi de 10
10 000 fidèles sur Facebook pour suivre la page dédiée au MOOC de l'AFPA. Voilà, chef, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, là, je vais ciseler un oignon. Donc, ciseler hein, le plus fin possible. Hein, donc, normalement, des cubes de 2 mm de section, hein, pas plus gros que ça. Là, c'est pas trop grave parce que ça va partir dans une purée. Donc, voilà, ça généralement, c'est ce qu'on appelle le talon que le cuisinier va placer dans ses fonds ou va garder pour différentes préparations. Faire des sauces pour voilà. Faire des... Bah, nous là, allez, je vais la mettre grossièrement à l'intérieur. Parce que l'avantage, c'est dans un deuxième temps, j'ai passé tout ça au mixeur, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors, petite russe. Alors, voilà. Redis-nous ça, petite. Russe. Russe. Oui. D'accord, russe. Russe comme la Russie. Tout à fait. D'accord. Donc, après, vous pourrez trouver, si vous voulez, un lien vous donnant la définition et pourquoi on appelle ça russe. Alors, on a des questions, je vous rappelle qu'on est en direct, hein, donc vous pouvez nous poser des questions. On est en direct sur YouTube, sur Twitch et sur le réseau AFPA Facebook. Vous pouvez évidemment retrouver tous les liens du MOOC sur le Facebook, mais également vous pouvez retrouver sur le lien MOOC, ça s'écrit mooc.afpa.fr. C'était pour répondre à une des questions des personnes qui nous suivent, hein, les 101 techniques pâtisserie, accord, mets et vins. De la cuisine française, mais il y a également un MOOC spécial Occitanie qui est depuis cette année. Chef, qu'est-ce que tu nous réalises là maintenant? Alors là, je vais faire suer les oignons. Je vais mettre. Bon, faire suer les oignons, parce que bon, je vois à peu près ce que c'est puisque je te vois faire. Ça veut dire leur faire. Les faire c'est réduire. C'est retirer une autre végétation. Sans coloration. On vient simplement concentrer les goûts et les saveurs. Donc on n'attend surtout pas que l'oignon noircisse ou qu'il devienne un peu doré. Tout à fait. Là, je veux aucune coloration. Il faut simplement faire transpirer mon oignon. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis devant et que je remue, même si mon feu est vif, que le fait de remuer, ça descend la température de ma russe. Et tu as gardé donc pour mettre dans ta poêle, dans ton, comment on appelle ça, dans ma russe. Dans ta russe donc, voilà, dans ma russe. Dans la russe, on a gardé donc les oignons et on a rajouté des brins de persil où il n'y a plus de feuilles, hein, il y a juste les brins de persil tout dedans. Tout à fait, ce que l'on jette normalement. On va les montrer peut-être à nos amis, voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, vous avez dans la russe donc, hein, du persil et de l'oignon en train de tranquillement cuire. De suer. On sue en direct sur donc les chaînes AFPA de YouTube, de Facebook et de Twitch. Voilà. Alors là, je vais reprendre ma chair de petit marron avec la peau. Hein. Voilà, je rajoute tout ça à l'intérieur. Si tu pouvais remuer, ça serait gentil. Oui, chef. Merci. Alors, ça sent très bon. Je suis content de remuer parce que je peux vous dire que ça sent très très bon. On peut un peu briser les morceaux qu'il y a à l'intérieur. Ça va partir en purée, Ça va partir en purée. Voilà, je vous montre, voilà, vous voyez. On n'est pas encore vraiment dans la purée, mais on est dans les morceaux. Je vous rappelle qu'on est en direct. Alors oui, on va vous montrer ce que ça donne, chef, parce que c'est important. Vous voyez, on est en train de casser. Excuse-moi, je te tue. Ah, d'accord. Hop, voilà, on est en train de tout remuer. On casse un petit peu et on remet sur le feu alors, hein. On est d'accord? Oui, là on va simplement dessécher un petit peu, hein. Voilà, pour vraiment, on va dire, mélanger les goûts, les saveurs. Alors, là j'ai quasiment une consistance déjà purée. Donc, j'ai réalisé un petit fond de volaille, mais j'aurais pu très bien mettre un bouillon de légumes, hein, pour les personnes qui ne désirait pas avoir de bouillon de volaille. Un petit mot sur ce bouillon de volaille, pareil, ça peut être récupération, zéro déchet. Tout à fait. On a fait une volaille ou un poulet la veille et... Comme la carcasse, comme sur la dernière émission, on avait fait un fond de volaille qu'on était venu aromatiser, on va dire, à l'asiatique. Okay, là, on veut un fond de volaille, donc je peux très bien réaliser avec donc ma carcasse. Donc là, nous avons donc notre pulpe, voilà, hein, donc on va venir la mixer. Donc là, je vais la laisser gentiment comme ça sur le feu. On va passer à autre chose.
Alors bah, on va passer à autre chose. En attendant, on va passer à des questions, puisque je vous rappelle qu'on est en direct toujours sur les antennes AFPA de Twitch, de Facebook et de YouTube, et qu'on a une question. Alors, une question un peu que je me posais aussi, je n'ai pas osé te la poser, mais pourquoi on appelle ça un russe ? Une russe. Une russe, oui, une russe. Alors ça, ça sera la surprise, hein, si vous voulez la définition, il va falloir aller sur le site AFPA pour aller chercher la réponse. Je regarde bizarrement. Oui, bah, on se posait tous la question et on n'a pas la réponse, bah voilà, ça nous fait... Non, ça vous fera un peu de recherche, ça peut être intéressant. Recherche. On découvre toujours quelque chose, vous voyez, sur le site, hein. Dans ces recettes. Donc, là... On va donc réaliser notre crackers. Donc, mes graines de courge, mes graines de petits marrons, donc on a fait dessécher, donc la même chose. Hein. Ah oui, c'est celle que j'ai. D'accord, on a pris un peu d'avance. On rappelle qu'on est en direct pendant 1h30, mais qu'on a pris un tout petit peu d'avance sur certains plats. De l'huile et de la farine. Donc, on va mélanger l'ensemble. L'huile, c'est de l'huile d'olive, hein? Tout à fait, un peu plus agréable. Bon, Nicolas, c'est même délicieux l'huile d'olive. Définition de ce que c'est que les Russes, hein, parce que. Alors, donc là, les graines. Voilà, je vais mettre mon corps gras à l'intérieur. Je vais mettre la farine. On va mélanger l'ensemble. Alors, mon eau. Là, pareil, c'est de l'eau du robinet. On prend pas de l'eau déminéralisée ou de l'eau minérale. D'accord. Alors, pendant que tu es en train de réaliser cette partie des recettes, chef, dis-nous un petit peu, les stagiaires qui viennent ici en formation dans ce village AFPA de Stein, mais aussi dans d'autres villages AFPA où on enseigne la cuisine, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme métier en lien avec la cuisine ? Cuisinier, évidemment. Cuisinier, mais après, je dirais plus, ce sera plus lié au secteur d'activité, dans le sens où la restauration peut se faire soit en cuisine, on va dire en restauration collective, donc soit pour les enfants, soit pour les personnes âgées en maison de retraite, peut se faire en restaurant. En restaurant, vous avez donc différentes formes de restauration. Hein. Donc là, mes crackers. Donc, et leur niveau d'accès, c'est ils peuvent ne rien y connaître en cuisine et postuler pour entrer dans une formation AFPA. Tout à fait. De toute façon, on va dire qu'en grande majorité, nos stagiaires, à 80%, ne sont pas des cuisiniers. Voilà, hein, ce sont des personnes soit qui sont en reconversion professionnelle, soit des demandes d'emploi. On doit avoir peut-être un à deux stagiaires, on va dire, qui viennent plus pour valider des acquis. Voilà, mais généralement les stagiaires connaissent rien à la cuisine. Et on est là vraiment pour leur inculquer de bons gestes. Le vrai geste professionnel des cuisiniers, avec quand même une motivation particulière pour faire ce métier, évidemment, c'est le béaba. Ceux qui viennent aussi peuvent être dans le cadre, par exemple, du CPF, hein, du compte personnel de formation. Alors, voilà, le chef est reparti totalement dans sa recette. Ce qui me fait dire, tu m'accordes un instant, chef, je t'écoute. Parce que Nicolas Paul, qui est derrière les caméras, qui est l'ingénieur de formation dont tu parlais tout à l'heure, qui participe à la réalisation et à la réussite de cette émission, nous a commenté la question et a répondu à la question donc de l'internaute concernant la Russe. Hein. Donc, c'est parce qu'au début du 19e siècle, ce sont les Russes qui martelaient l'acier et fabriquaient les matériels de cuisine dans le nord de Paris. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'un cuisinier, mais non, on appelle ça des Russes. Voilà, et c'est de là aussi d'où vient le nom bistrot. Ah bah tu vois, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas. Voilà, merci à Nicolas. Donc, c'est Nicolas aussi. Merci Nicolas. Donc là, j'ai mon crackers. Hein. Donc pour pouvoir l'étaler, hein, c'est simple, hein, j'y rajoute un petit peu d'eau pour éviter que ma farine vienne coller, hein, simplement. Hein. Donc là, je ne cherche pas, on va dire, à faire quelque chose qui soit très propre, de rond ou quoi que ce soit, parce que derrière, moi, je vais l'utiliser en petits morceaux. Donc, même chose, je prends et à mettre à cuire. Four 180.
four 180. Il est parti par là, le chef. Il est sorti un peu du champ de la caméra. Mais je vous confirme, il met dans un four, un des fours de cette cuisine pédagogique du village AFPA de Stain, où on réalise toutes ces recettes, hein, ces deux recettes, un plat principal et un dessert avec zéro déchet. On ne jette rien, on recycle tout et on va faire quelque chose de vraiment très bon. Chef, oui. Les stagiaires qui passent entre tes fourches codines pour la formation de cuisinier ou de commis ou d'agent de restauration, il faut qu'ils soient motivés, mais ils n'ont pas forcément de diplôme. Hein. Il faut que c'est juste la motivation qui compte. Alors, les prérequis pour entrer donc en formation AFPA, bon, c'est maîtriser le français, on va dire parler, écrire et, maîtriser, on va dire, les quatre opérations de base. Voilà, et surtout être motivé. Parce que je pense sincèrement qu'à partir du moment où on est motivé, on est capable de faire n'importe quoi. Donc je sais que j'ai beaucoup de stagiaires qui ont des problématiques de français. Moi, ça ne me dérange en rien de les prendre en formation parce que ensemble, on va apprendre un vocabulaire culinaire qui correspond vraiment au métier. Donc je ne vais pas lui demander de parler français. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, qu'elle soit en capacité d'utiliser le vocabulaire professionnel qui va nous permettre, on va dire, de mettre en œuvre différentes choses, voilà ce qui m'intéresse. C'est le français à finalité professionnelle qui compte et qu'on a pu acquérir à l'issue de ta formation. Donc, quel que soit votre niveau de base en termes de formation, vous pouvez accéder à ce type de formation, cuisinier, commis de cuisine, agent de restauration, qui sont proposés dans beaucoup de villages AFPA à travers la France, comme ici, à où nous réalisons cette émission, on le rappelle, en direct, zéro déchet, donc on est 100% anti-gaspi, hein, nous ici. C'est dans le cadre de la semaine européenne du recyclage et de la lutte contre les déchets. Et on vous fait actuellement un menu en temps réel. Donc chef, là, on passe à quelle partie de notre menu ? On va passer donc au gâteau, notre beau et unique gâteau à l'orange. D'accord. Donc, on rappelle avec quelle base on va faire notre gâteau à l'orange ? Bah alors... Là, déjà, première chose, je mets à fond mon chocolat, parce que je vais en avoir besoin. Voilà, au bain-marie. Donc, derrière, on va utiliser... Le chocolat donc, est parti au bain-marie. Nos chairs tendres orange, donc, que j'ai fait cuire, donc 1h40. De la levure, poudre d'amande, sucre, 5 œufs. D'accord. Voilà. Donc là, on rappelle, on a un tout petit peu anticipé hein, sur la recette, puisqu'on a 1h30 avec vous. On a un petit peu anticipé sur certains produits qui méritent plus d'une heure à 1h30 de cuisson. Donc voilà, vous, par contre, donc ça, on le fait bien cuire en combien de temps, Rudy ? 1h30. 1h30, voilà, précisément. 1h30 et vraiment avoir toujours de l'eau. Et c'est de la réutilisation. Hein. Et là, quelque chose de très intéressant, c'est que ben, j'ai pas de farine, donc j'ai pas de gluten. Hein, donc les personnes qui étaient allergiques est une solution pour pouvoir donc passer leur peau d'orange. Et en plus, vous allez voir, c'est un gâteau très agréable, gustativement parlant. Alors, peux-tu revenir avec moi ? Je suis là, chef. Allez, j'arrive. Allez, tu bats. Vas-y. Donc je bats. Donc je me souviens de la dernière... Non, là tu foisonnes, là tu incorpores de l'air, là moi tu mélanges. Je foisonne, d'accord. Je suis le foisonneur. Delila ? Voilà, absolument. On n'est pas loin de Paris, c'est pour ça. Allez, hop là. Et là je foisonne toujours ou ça va un peu mieux ? Tu mélanges. Ah, je mélange. Alors, hop, je vous montre. Hop. Donc, on foisonne. Oh, ensemble. Putain, j'ai mis de l'eau là. Je sais pas qui c'est, j'en suis désolé. Alors, un des atouts importants de l'AFPA, on le rappelle, chef Frédéric, c'est que je sais, c'est pour ça que je te parle, c'est que nos formateurs sont tous issus du monde professionnel. Ça veut dire que c'est des professionnels des métiers qu'ils enseignent. Et ça veut dire donc qu'ils ont une polyvalence très importante. Comme toi, on est capable d'utiliser des déchets, on est capable de recycler des matières qui auraient pu finir à la poubelle. Parce que simplement, voilà, à dire aujourd'hui c'est un réel problème les quantités que l'on jette. Hein. Donc on a, on va dire, des modules éco-citoyenneté. Donc je pense que ça rentre entièrement à l'intérieur. Voilà, hein, être en capacité de venir valoriser, on va dire. Alors, déchets me dérangent, parce que vu qu'on les valorise et qu'on va les faire manger aux clients, voilà, ce ne sont plus les déchets. Mmh. Donc, je pourrais préférer qu'on parle de produits, même si c'est des produits qu'avant partaient à la poubelle. Demain, on va vraiment être sur des produits qui vont être totalement alimentaires. Donc, je ne veux plus appeler ça déchets.
Donc moi, mes plures, voilà, je vais y mettre un petit coup de... Je suis désolé pour le bruit. Hein. Si tu peux me prendre donc la pulpe d'orange et la mélanger à ton appareil. Ça serait gentil, merci. 100 mètres de gants, donc ça veut dire que faut que je prenne une cuillère peut-être. Tu en as ici. Voilà, donc je repars, je vais chercher une cuillère. Juste là. Me revoilà avec ma cuillère, donc on va tout mélanger ensemble. Alors, c'est important de rappeler, chef, qu'on est dans la semaine européenne du recyclable, du recyclage. Donc ça veut dire qu'on ne gâche rien, qu'on réutilise tout et que l'AFPA est en pointe sur un dispositif, c'est Life Foster. Tu peux nous en dire deux, trois mots ? On est en plein dedans, hein, dans le sens où le but du jeu, c'est d'avoir le moins de déchets possible. Aujourd'hui, l'ensemble des formateurs donc, ont suivi la formation donc, avec leurs stagiaires vont mettre en place donc, on va dire ce genre de module, mais je ne parlerai pas de module dans le sens où on va essayer de le mettre en place tout au long de la formation. Voilà. Donc on est chef de file, l'AFPA est chef de file au niveau européen, ça s'est déjà développé à Malte, ça s'est développé aussi en Italie. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est donc des modules de formation qui sont insérés dans les formations de l'AFPA, mais également l'AFPA participe à former d'autres formateurs et d'autres professionnels. Alors là, je suis en train de finir, je mélange encore, je tourne. Ah, mais tant que tu tournes, au moins t'es occupé. Je me sentais seul pour revenir. Ouais, mais je sais bien. Alors voilà. Donc ce sont des petits moules individuels, hein, parce que bon, là on va quand même faire une présentation sur assiette, donc ça sera quand même vachement plus joli. Donc petit moule individuel, donc beurré. J'ai mis donc un petit papier sulfure dans le fond, c'est plus simple pour le démoulage. Voilà, et ça je vous conseille de le faire, parce que si votre gâteau colle, vous allez l'abîmer, alors qu'à partir du moment où j'ai une petite feuille de papier sulfure dans le fond, j'ai aucun risque. Je pense que tu vas me mouler tout ça. Donc quand tu dis mouler, ça veut dire qu'on va les mettre dans les petits ramequins. Voilà, tout à fait. Alors attends, regarde. Je te prends tous. Excuse-moi, je sais que je suis un peu brutal par moment et je vais te salir. Eh bien non, pas une tâche. C'est à ça qu'on reconnaît les professionnels. La présentation aussi, c'est quelque chose de très important en cuisine. Ça fait partie de modules que vous apprenez aux stagiaires ici ? Oui, être en capacité, on va dire, de venir valoriser son assiette, c'est très très important parce qu'avant de manger avec la bouche, on va manger avec les yeux. Donc, alors, regarde, je préférerais que quand tu fais le geste que tu fais, ben c'est simple, tu m'en mets sur les rebords. Donc, tu vas brûler. Donc, tu vas une cuillère dedans. Voilà, derrière. Eh. D'accord. C'est à ça qu'on reconnaît les chefs. Donc là, je fais faire comme ça aussi. D'accord. Est-ce que tu crois que celui où j'ai un peu déviré, comme on peut dire... Non, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Et puis, disons, tu es là pour apprendre aussi, non? Donc, alors là, ça va être quoi? Quel goût ça va avoir, alors? Ah bah... Je vais un peu le coup de main. Hop. On a déjà on a le droit de goûter ? Ah mais t'as le droit de goûter. Moi si j'étais chef, j'aurais pris 20 kilos. Alors ? Ça a un goût d'orange, c'est même délicieux. Ça a un goût d'orange, est-ce que tu sens l'amertume ? Il n'y a pas d'amertume, mais le petit goût du zeste d'orange à l'intérieur. Ouais. Mais il n'y a pas d'amertume, c'est là que c'est intéressant. On pourrait penser en tant que cuisinier ou professionnel que la peau m'aurait apporté une certaine amertume, mais je n'ai aucune amertume en bouche. Et alors explique-nous comment c'est possible qu'il n'y ait pas d'amertume. Parce que je pense que c'est 1h40 de cuisson. Donc c'est le secret pour enlever l'amertume.
Il y a beaucoup de gourmands avec nous, donc on va en faire combien on en fait ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine. Voilà. Parce que là, ils sont individuels, hein, bien sûr. Donc, on rappelle qu'on est en train de cuisiner en temps réel, étape par étape avec vous, zéro déchet. Hein, on fait un plat principal. On rappelle le nom de notre plat principal, chef ? Alors, nous avons une purée de petits marrons avec donc des chips de poire, des gnocchi à base de pain rassis et une émulsion de lait de soja avec de la sauge. Et là, on est sur le dessert, c'est ce que vous voyez actuellement, ce qui va partir au four. Et c'est à base d'orange, oui. Mais de peau d'orange. Alors, on tape hein, pour bien égaliser dans le ramequin. Hein. Donc, vraiment, pour essayer d'avoir... Non, je pense que un seul me suffira. Bon. Je suis désolé, hein, mais c'était gentil de ta part. On va faire un malheureux. Alors, ces petits ramequins, vous voyez, en fait, c'est le truc que j'ai appris encore aujourd'hui avec le chef, Frédéric, c'est que vous tapez un petit peu, alors ça fait un peu de bruit quand même, mais vous tapez un petit peu, et comme ça, vous faites pas, vous ne tâchez pas comme la première fois où je l'ai fait, vous avez des petits morceaux qui restent collés. Ça risquerait de brûler. Et ça brûle après, c'est pas beau, voilà. Et c'est pas bon. Donc, dans cette cuisine, hein, ici, à Stain, dans le grand village AFPA de Stain, c'est la cuisine pédagogique dans laquelle on travaille. Il y a encore ce matin, hein, jusqu'à 13h, il y avait des stagiaires qui étaient ici en train d'apprendre le métier de cuisinier dans les conditions réelles avec des formateurs AFPA qui sont tous issus de ce métier. Toi, par exemple, Frédéric, tu as fait divers missions, tu as eu divers emplois hein, dans le monde de la cuisine, ouais. Ce qui te permet d'avoir une vue très polyvalente de ce métier. Moi, je suis une personne qui a assez soif d'apprendre. Donc, j'ai essayé vraiment d'aller sur l'ensemble des maisons qui étaient en capacité de m'apporter. Chaque maison est différente, a un travail différent. Donc, si vous faites du traiteur, ça n'a rien à voir avec de la restauration. Vous allez faire, on va dire, des choses vachement plus artistiques sur du traiteur. Donc, taillage de légumes en fleurs, vous pouvez travailler du sucre, vous pouvez travailler, on va dire, des modules à base de polystyrène. Vous pouvez même travailler de la glace entière, donc venir réaliser des aigles, ce que vous voulez. Donc une polyvalence qui nous permet par exemple aujourd'hui de faire et de relever ce challenge anti-déchets, hein, zéro déchet. Ça fait partie des choses qu'on peut acquérir après une pratique professionnelle comme la tienne. Tout à fait. Bah, après c'est l'expérience. Hein. Après généralement un cuisinier va, on va dire, sortir énormément... dans le sens où il ne va pas rester plus d'un an chez le même patron. Le but du jeu, c'est vraiment aller de maison en maison, parce que chaque chef, on va dire, aura ses propres pratiques. Et le but du jeu est d'aller voir un maximum de chefs, d'aller rechercher un maximum de compétences, voilà, que derrière, vous gardez, puis derrière, vous pouvez mettre en œuvre. Bon, alors, on va te laisser continuer, mais on peut dire que les stagiaires, juste qui sortent de ces formations, peuvent avoir une activité complètement différente, travailler dans tout type de restaurant. Les stagiaires qui sortent de formation peuvent très bien partir en traiteur, peuvent très bien partir en collectivité, peuvent très bien partir monter leur restaurant. Donc, bon, après, moi, je préfère leur dire, vaut mieux attendre une à deux ans, voilà, qu'ils rentrent dans le monde du travail, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais les stagiaires, voilà, l'AFPA offre aux stagiaires la possibilité vraiment de rentrer dans une palette très large de la restauration. On va s'enrichir déjà de la connaissance des formateurs de l'AFPA et ensuite s'enrichir pendant quelques années des connaissances d'un patron, hein, d'un chef, pour ensuite se mettre à son compte. C'est un petit peu ça. Alors là, je vais utiliser donc du lait de soja. Voilà. En brique. En brique. Donc je vais légèrement faire chauffer pour pouvoir infuser à l'intérieur ma sauge. D'accord, donc on fait chauffer, ça veut dire qu'on va mettre sur les gaz ici, hein, dans cette cuisine de l'AFPA, et on va infuser, ça veut dire qu'on va mettre... J'ai ma sauge, je la prends, on va la laisser dedans, voilà, elle va infuser. Question, est-ce qu'il faut laver avant la sauge ? Est-ce qu'il faut comme il faut laver ou pas le persil et tous les produits que vous avez vus, donc qui sont rentrés en cuisine, sont lavés, désinfectés, rincés. Désinfectés, c'est-à-dire on met du vinaigre blanc, mais de... Alors nous on a un produit qui nous permet de venir désinfecter, qui est un peu plus fort que le vinaigre blanc. Voilà, parce que nous on a des risques
on va dire, de contamination croisée qui sont peut-être nettement plus grands qu'à la maison. Donc nous, c'est des choses qu'on va faire. Si on est chez nous, on peut utiliser du vinaigre blanc. Enfin, moi, j'insiste sur mon vinaigre blanc parce que c'est ce que j'utilise. Mais si on n'est pas dans une cuisine professionnelle, tu peux nous conseiller d'en utiliser. Oui, moi je préfère venir désinfecter, mais bon. Le vinaigre blanc est quelque chose de correct. Alors, donc, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est notre sauce. Non, tu vois, hop là. Puis tout le reste est en train de mijoter. Il ne faut pas trop toucher, mais c'est un petit peu chaud. Mais voilà, alors on va passer à la dernière étape. Je sais qu'il y a déjà des questions qui nous attendent. On rappelle qu'on est en direct, vous pouvez nous poser des questions hein, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Alors, oui, on a une question. Les gants, c'est pas zéro déchet, chef. Mais après, c'est quand même indispensable d'un point de vue hygiène, me semble-t-il. Voilà. Après, on peut mettre évidemment ces gants dans la partie recyclage des plastiques, j'imagine. Bah oui. C'est conseillé même, c'est l'idéal. Voilà. Hmm. C'était une question de Bénédicte. Donc là, je reprends donc. On va montrer à nos amis. Petit marron, voilà, je te laisse. Sans se brûler. Faire voir. Bah, pour ça, j'ai changé de récipient. C'est la purée hein, de petit marron. Il nous reste 30 minutes, chef. On est dans les temps ? Oui, ça va le faire. Je m'inquiète pas. Moi, je m'inquiète plus depuis longtemps. En tout cas, ça sent très bon. Alors, toujours le même principe. Je prends. Tu peux, s'il te plaît, merci. Je peux quoi, en fait ? Je continue ? C'est ça que tu veux ? En même temps, je continue. Hein. C'est pas très difficile. On fait la purée de potimarron. Voilà. Alors, pendant que le chef est parti... Alors, je suis simplement parti, voilà. Là, on a de l'huile de courge. Donc, c'est d'une huile... L'huile de courge, je vais juste me rajouter un peu d'huile de courge, voilà, pour corser encore un petit peu les goûts, les saveurs. D'accord, huile de courge. Alors, il a dû se... Après, sur l'assiette. Chef, je crois que l'appareil s'est mis en sécurité. Non. Ah. Non, alors, je t'explique. Il y a une sécurité sur l'appareil, justement. Oui. C'est que si j'appuie ici, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'appuie là et là. D'accord. Voilà, il y avait un piège. Alors, le chef est en train de continuer sa recette. On rappelle qu'on fait un plat principal et un dessert avec zéro déchet. En fait, on recycle plein de produits qui auraient pu partir à la poubelle. On est en train de faire un millefeuille de poire croustillante et de potiron. Donc ça, c'est le potiron qui est en train de finir en purée. Avec ensuite des gnocchis de pain rassis au beurre d'herbe. Ça, pratiquement tout est prêt par ici. Et après, il y aura aussi des crackers aux pépins de potiron et de courge. Ça, on les a mis, ils sont au four là, en train de dorer. Et le dessert, c'est du gâteau aux pelures d'orange. On aura fini dans 25 minutes. Vous allez voir, c'est en cours de route. On retourne voir le chef. Alors chef, si on n'a pas d'huile de courge, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place ? Rien. Là, c'est simplement, on va dire, vraiment pour corser un petit peu, mais vous allez voir que ça va être déjà super corsé. Si j'ai pas d'huile de courge, ça ne posera aucun problème. Donc si on a un peu c'est juste, de courge, voilà, c'est le petit plus. Voilà, ça c'est mon côté un peu trop... ouf. Mais si on peut rajouter, je ne sais pas, un peu de vanille, un peu de... Alors après, bien sûr, on va dire que chaque personne est en capacité de venir interpréter la recette comme elle le veut. Si là, vous voulez rajouter, on va dire, comme moi je vais faire à la fin de la noisette, vous pouvez rajouter la noisette. Si moi dedans, j'aurais voulu mettre un peu de gingembre, j'aurais pu mettre un peu de gingembre. Après, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut, gustativement parlant, sur l'aromatisation. On a une base et derrière, vous réalisez ce que vous voulez par rapport à ce que vous êtes.
êtes, votre ethnie et tout et tout. Par voilà. rapport à ce que vous aimez comme goût, ça peut voilà, être aussi. Un gingembre, curry ou plein d'autres choses qui donnent du goût et qui rehaussent les goûts. Alors, une bonne nouvelle, hein. Vraiment, on avance bien, on a bientôt fini ce challenge zéro déchet en direct sur les réseaux de l'AFPA, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur Facebook. On rappelle que vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez poser des questions au chef qui est actuellement en train de réussir ce challenge anti-gaspi zéro déchet. Donc il est là, mais il écoute, il est très attentif, il est en train de finir en même temps ses recettes. Si vous avez des questions à nous poser. Donc ça, bain-marie, voilà. Ça reste chaud. Le bain-marie, c'est de l'eau à quelle température? C'est de l'eau qu'on a fait bouillir et derrière qu'on va laisser légèrement frémir. C'est pour simplement, on va dire, garder au chaud. Voilà, parce que j'aimerais quand même vous faire goûter des assiettes qui restent chaudes, donc, simplement. Et là, on rappelle, il y a du gaz, hein, il y a on a de quoi faire cuire, mais on a également de quoi maintenir en chaleur. Hein. C'est des grandes plaques donc en fonte, c'est ça qui oui. maintiennent la chaleur. Devant nous, il fait très chaud même. On a beau être en direct et un peu partout en France en ce moment, il fait un peu frisqué, mais là, franchement, il fait très bon dans ces cuisines. Donc, on a récupéré les petits carrés de poire qui nous restaient. C'était les entames, sens-moi ça. Ça sent pas l'entame, ça sent très bon la poire. Ça, après, je sais pas si l'entame en soi, ça a un goût spécifique et une odeur spécifique, mais en tout cas, là, ça va être très bon. Non, mais c'est une chose qui aurait pu partir à la poubelle, donc c'est quand même assez dommage. Ça aurait été dommage de le jeter. Et là, on va en faire quoi, justement, chef? Là, on va faire une purée. Donc dans ce deuxième temps, quand on va dresser notre assiette, on va pouvoir donc venir marier ma purée donc de petits marrons avec ma purée de poire. Alors, pendant que le chef est en train de broyer sa purée d'entame de poire, on rappelle qu'on est à l'AFPA. L'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et qu'on participe à une dynamique européenne anti-déchets. Et on participe notamment aujourd'hui avec ce challenge qui est de recycler des denrées alimentaires qui auraient pu terminer à la poubelle. Et on fait un menu spécial anti-déchets actuellement en direct pour vous. Je regarde la pendule qui est juste derrière vous là, il nous reste un peu plus de 20 minutes, voilà, on va dire, pour terminer l'ensemble de nos plats. Vous pouvez continuer à nous poser des questions. Sinon, vous pouvez retrouver les recettes aussi, on vous les mettra en lien sur le Facebook de l'AFPA, également sur les réseaux de l'AFPA, afpa.fr. par exemple. Et on peut rappeler aussi, Frédéric, pendant que tu es parti, parce qu'il respecte les règles d'hygiène, Frédéric, notre chef, parti se laver les mains, on peut dire aussi qu'on peut retrouver beaucoup de recettes sur le mooc.afpa.fr. Voilà. Frédéric, chef, on en est où? Alors, on a la purée de poire, on a donc notre petite purée de petits marrons. Donc, on va attendre que les crackers finissent d'être cuits. Et puis, on va venir finir notre travail sur nos gnocchis. Et là, tout reste au chaud dans les bains-maries. Hein. Oui, tout à fait. Tu as même des petits carrés de chocolat. Donc là, j'ai mis mon chocolat simplement à fondre. Hein. C'est pour pouvoir agrémenter notre gâteau à l'orange. Voilà. Alors, donc là... Là, c'est de l'eau, tout simplement. C'est simplement de l'eau. Okay. Voilà, hein, c'est pour nos gnocchis. On va venir les pocher. Donc on rappelle, hein, c'est des gnocchis qui sont tout à fait particuliers, puisque c'est des gnocchis de pain rassis. Pain rassis, du pain qu'on aurait pu utiliser en pain perdu peut-être, qu'on aurait pu utiliser en... Ah, je ne sais pas en quoi, en tout cas nous on va l'utiliser pour faire des gnocchis. Ça c'est vraiment original, vous pourrez servir chez vous des gnocchis. Ben, c'est du pain rassis, voilà. Et donc le chef est en train... Qu'est-ce que tu prends un peu de farine, c'est ça? Ouais, parce que vu qu'elle était un petit peu humide... La cuisine est très très grande. Alors, on est un peu... Des fois, le chef part d'un côté à l'autre parce qu'il a tous ses ingrédients à portée de main. Et donc, on va le retrouver là. Il est en train de finaliser sa pâte. Voilà. Donc là, on a une belle petite pâte. Hein. Magnifique. Voilà.
Il arrive, voilà, c'est ça, on y arrive. Ah, excusez-moi. Voilà, on refait. Voilà, donc belle petite pâte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pâte, on le rappelle ? Alors, bah, dedans, j'ai bien mes petits zestes de citron vert, mon pain rassis, de la farine, un œuf et du sel que je vais mettre parce que j'ai oublié. Voilà, on n'oublie pas le sel. Hein. Le sel du gâteau, à défaut du sel de la vie. On a tous nos ustensiles, on est vraiment en train d'arriver au bout hein, de notre recette. Je vais rajouter un peu de piment dedans, parce que bon, je sais que j'ai des personnes qui aiment bien quand c'est un peu pimenté. J'ai dit un petit peu, hein, pas le truc qui arrache la boule, pareil ma jeunesse. Hein, parce que même voilà. Si toi tu aimes bien... Comme on disait, on est très pragmatique en cuisine, hein, c'est un des principes. On peut rajouter quelques ingrédients selon les goûts, selon ce qu'on a l'habitude de manger puis, chez soi. Surtout suivant les restes que vous avez à la maison. C'est aussi ça qui est vraiment intéressant. Hein. C'est, voilà, je peux agrémenter, on va dire, des plats avec des fonds de frigo. Et le but, il est là. Hein. Alors, donc, je finis gentiment de mélanger correctement mes herbes à l'intérieur. Voilà, allez, c'est bon, tac, hop là. C'est bien ferme en tout cas, hein. Regardez un peu. Ouais. Donc ça c'est notre gâteau. Non, ça c'est pas notre gâteau, ça c'est notre gnocchi. Ah, notre gnocchi, pardon. Ah bah oui. J'étais déjà au dessert. C'est notre futur gnocchi. Alors là, on va voir comment on fait des gnocchis. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vais voir faire des gnocchis. J'en ai déjà mangé beaucoup, mais... Ah ouais, mais là c'est spécial prêt. Vu qu'on est à base de... Alors, là, je vais juste prendre un petit morceau comme ça. Hein. On va venir faire un boudin. Ni plus ni moins. Hein. Donc, en fait, pour manger des gnocchis, il faut d'abord faire un boudin. Bah, pour pouvoir les couper, qu'ils soient jolis et propres. Donc là, je vais reprendre un petit peu de farine parce que ça colle partout. Donc, voilà. c'est notre pâte à base de pain oui. rassis. Du pain qui a 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et là, faut pas qu'il soit ni vert ni quoi que ce soit, on est d'accord. Faut pas qu'il soit arrivé à cette non, extrémité. Parce que sinon, je pense que. C'est-à-dire qu'il commence à moisir. Vous aurez des hallucinations assez rapidement. Bon, donc on a du pain qui a vieilli, mais qui est dur, qu'on n'a plus trop envie de manger, mais qu'on va comme ça utiliser pour faire des gnocchis. Alors, vous savez, pour respecter les règles d'hygiène, là, j'ai pas de gants, donc je ne vais pas y toucher. Ah non, si tu veux toucher, tu mets des gants. Un boudin. Donc là, bien sûr, hein, j'ai pas utilisé l'ensemble de ma pâte. Hein. Le but est vraiment de rester. Hein. Alors là, la grosseur, on choisit. C'est quoi c'est, mais selon ce que chacun veut. Là, moi, je fais une décoration sur l'assiette hein, de telle façon, on va dire que ça soit agréable. Donc, j'ai pas les couper trop gros. Hein. Voilà. C'est plus ou moins long en cuisson selon la grosseur, j'imagine, de ton gnocchi. Tout à fait. D'accord. Donc là, on en a fait des petits. Combien de temps ça va cuire ? Ah, ça va cuire. Allez, dans l'eau bouillante, je vais laisser 2 minutes. Rapide. Très rapide. C'est très très rapide. Hein. Voilà. Très 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 rapide. On se retrouve. Là, tu es en train de récupérer ta sauge, hein, qui est en train de cuire dans... D'infuser. Attention, donc là, ça prend. Chef. Voilà, et même chose. Donc, vous avez vu que mon mixeur plongeur m'aura servi énormément aujourd'hui. Hein. C'est mon meilleur ami aujourd'hui. On peut utiliser n'importe quel mixeur, hein, comme le chef. Tout à fait. Oui, il n'y a pas un mixeur particulier à conseiller. Hein. Ça, c'est le mixeur professionnel qu'on utilise dans les cuisines de la FAST. Oh, la vache. Peux-tu me donner un cul de poule ? Voilà le récipient là, voilà. Alors un cul de poule, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cul de poule. Il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir. Ça c'est un cul de poule. Alors vous voyez, on est en direct, hein, parce que voilà, là on peut pas dire qu'on n'est pas en direct. Voilà, donc même chose, hein. Si vous pensez que je me suis brûlé, ça a été très chaud, mais je ne me suis pas brûlé. Alors finalement, mon cul de poule n'allait pas. Non. Bon. Parce que le récipient était trop évasé, donc... C'est pour ça que ça a un petit peu débordé. Voilà. Ça peut arriver. Oui, puis c'est pas grave. Donc vous voyez... Il n'y a rien de grave dans ce métier, à partir du moment qu'on récupère les bêtises. Voilà, sans moi ça.
Bah ouais, t'es le seul à qui je peux faire sentir. Donc, la sauge. Il nous reste 15 minutes et ça sent très bon la sauge. Comme ça sent un peu le chocolat aussi à côté, puisqu'il y a du chocolat qui fond. Ouais, ça sent très bon tout autour. Donc ça, je laisse ici parce que dans un deuxième temps, je vais repasser un coup de mixeur à l'intérieur. Parce que là, ce qui m'intéresse, là, c'est juste... Alors, je vais quand même faire voir. Hein. Voilà. Là, la seule chose qui m'intéresse, c'est les petites bulles. Voilà, je vais simplement utiliser les petites bulles okay, en tant que sauce, donc ça va être quelque chose qui va être assez aérien en bouche, voilà, et plus il y a d'air, plus il y aura de saveur. Donc ça, j'ai plus besoin. On cuisine aussi les détails, hein, vous voyez avec le chef. Ok, tout donc est ça, fignolé, ça, c'est bon. Même les bulles. On va retirer aussi. Alors, mes crackers. Tu es parti un peu loin pour que nos amis te suivent. Raconte-moi ce que tu es en train de faire. Là, je prépare juste mes poches. Je reviens. Voilà. Donc on va préparer simplement là mon dressage hein, qui ne devrait pas tarder à les arriver. Gnocchi. Là, les gnocchis, on va les laisser là. Les gnocchis, je vais passer un coup de propre. Perdu. Voilà. Faut pas y toucher, vous les montrer, mais on les goûtera tout à l'heure ensemble. Nicolas, je vais t'embêter 30 secondes. Alors, penses-tu que je remets une nappe ou pas pour le dressage? Je pense que ça sera plus joli pour. Alors, pendant que Nicolas, on va remercier déjà les personnes qui participent, parce que dans un peu moins d'un quart d'heure, on aura tout terminé. On remercie les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission Zéro Déchet. Et on va réussir, vous allez voir. Il y a Nicolas dont on vient de parler, Nicolas Paul, qui est ingénieur de formation à l'AFPA en cuisine. Il y a aussi, on va remercier Hélène Vincent qui est derrière, qui est en train de voir si vous posez des questions. Ce n'est pas le cas en ce moment, vous pouvez continuer à en poser. Il y a Ryan Chan qui est aussi avec nous. On remercie Jean-Michel Lenouanic, Étienne Regnault qui est le directeur du village AFPA de Stein, bien d'autres personnes aussi qui ont participé à cette émission, Thierry, Ira, Florence, Philippe, Kevin et Pierre, et puis notre chef Frédéric Djebri. On a mis la nappe blanche, on y est, nappe blanche, tout est prêt. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire, chef, dans ces assiettes? On va venir commencer à dresser, donc un petit coup de propre. Sur mes assiettes. Le temps que tu prépares tes assiettes, on va rappeler Live Foster, c'est la semaine zéro déchet, hein, c'est une semaine européenne pour le recyclage et contre les déchets, notamment dans l'alimentation. Et l'AFPA donc est fer de lance sur un dispositif qui s'appelle Live Foster, qui est la prise en considération des déchets et du recyclage dans l'alimentation et notamment dans des cours de cuisine. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est totalement intégré, on va dire, dans nos formations, parce que c'est très intéressant et surtout, voilà, on est sur de l'éco-citoyenneté, comme, on va dire, le gaspillage au niveau des feux et tout ce qui va avec. Alors, il y a des questions. Oui. Donc, je te laisse finir de présenter. Éteindre le feu. Tac. Là, on va faire bouillir ça. Voilà. Alors on nous dit en même temps, tu vois, en direct, c'est dommage, mais derrière la caméra, on profite de tous nos gestes professionnels, mais on profite pas de l'odeur. Ben, écoutez, j'en profite pour vous et je peux vous dire que ça sent très bon. Et pourtant, c'est du recyclage, hein, c'est des produits qu'on aurait pu jeter. Et l'internaute nous dit bravo l'équipe, oui, ben, effectivement, bravo l'équipe. Alors là, on rappelle ce que c'est cette jolie couleur orange. Donc là, on est sur notre petite purée. Voilà, hein, donc je prépare simplement la purée de petit marron. D'accord, petit marron. Donc c'est un produit qui revient à la mode. Hein. On n'en cuisinait pas il y a encore quelques années. Ça revient vraiment à la mode. Ça a bon goût, ça sent très bon. Et on peut le cuisiner avec beaucoup de choses. Oui. Ça, on peut aussi bien le faire en potage, qu'en purée, qu'en... Je dirais même que je pourrais très bien m'amuser à venir faire, on va dire, soit des sifflets et venir les cuire glacés à blanc
Voilà, donc glaçage en blanc, c'est une cuisson, on va dire, avec de l'eau, du sucre et du beurre, ce qui va me permettre de cuire mon produit intérieur et surtout de le rendre, on va dire, luisant, donc brillant, avec un léger petit goût de sucre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ben, ça, très simple. Hein. Je vais te laisser faire. Hein, là, voilà, là, je prépare là, tout. Il faut le coup de main du chef, hein, franchement. Pour le montage, c'est tout. Donc, les nous avons faites. Nos purées, voilà. Nous avons nos chips, nous avons nos crackers, voilà, ça, alors ça. Tout est là, hein. Tout est là, on a tout cuisiné, c'est nous qui l'avons fait, en direct. Ça c'est, j'ai pas le droit d'y toucher pour l'instant, mais je peux vous dire que c'est délicieux, ils m'ont fait goûter avant l'émission, c'est vraiment très bon. C'est vraiment une excellente idée de récupérer ces graines. Donc là, moi, petit marron noisette, très intéressant, hein. Donc gustatif, en plus on nous a apporté un petit croquant, là on a pas mal de croquants, mais bon, ça me faisait plaisir. Chef, je te mets pas la pression, mais il nous reste juste 10 minutes. C'est pas et on aura fini, et on aura pas tout mangé, on n'aura pas eu le temps, mais on aura tout fini de cuisiner en tout cas. Alors, donc tout est là. Bon. Voilà, j'ai baissé mon feu, je prends mes gnocchis. Donc ça, attaque. C'est de l'eau qui boue. Dans le simplement de l'eau à bouillir. Tu plonges voilà, les gnocchis, c'est-à-dire du pain rassis. Du pain rassis qu'on a dû aromatiser. Et voilà, donc tu surveilles. Ok, 2 minutes. Et moi, je commence à monter. Tu regardes la pendule ou je regarde ça remonte, c'est ça ou... Tu regardes la pendule. Je regarde la pendule. 2 minutes, hein, on va regarder la pendule ensemble. Dans 2 minutes, ça sera cuit et on pourra passer à table. Enfin, presque. Alors là, on va te suivre quand même dans la réalisation de ton assiette. Là, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai décidé de faire des points. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de faire que des points. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, il y a des jours avec. Hein. Donc ça sera que des points aujourd'hui. Des points? Oui, des petits points comme ça, qu'on va venir agrémenter. Des petites bouchées qu'on va pouvoir mettre sur la langue et qui vont exalter des odeurs, des goûts. On le disait tout à l'heure, ça fait partie aussi des formations AFPA, c'est savoir à la fois cuisiner, mais surtout présenter des plats, des recettes. Oui. C'est des choses. Un stagiaire qui arrive en formation ici à Stain, à l'AFPA, ou dans un autre village AFPA où on enseigne la cuisine, en combien de temps est-il capable de présenter un plat comme ça et de réaliser une recette comme celle qu'on a? Alors, on va dire que vous avez donc 6 semaines de technique de base, où que les stagiaires vont mettre en œuvre, on va dire, différentes technique après, bien sûr, après avoir répété ce que le formateur leur a fait voir. Dans un deuxième temps, les stagiaires vont être, on va dire, dans un autre module où là, ils vont mettre donc les techniques bout à bout pour arriver jusqu'à une recette. Derrière, donc le formateur, donc au début, va réaliser, on va dire, les décorations. Voilà, en leur faisant bien voir ce qui est important sur une assiette. Hein. Une assiette trop chargée n'est pas agréable. Une assiette qui va être trop plate au niveau des différents ingrédients que je vais mettre dedans ne va pas être non plus agréable. Donc ça va être un travail sur 12 semaines. La cuisine, voilà. C'est aussi une œuvre d'art, à la fois dans le goût, mais dans le visuel, évidemment. Oui, tout à fait. Et il est important que le visuel soit agréable parce qu'un client va commencer, à manger donc avec ses yeux avant de commencer à manger. Et malheureusement, vous ne pouvez pas le voir parce que ça se sent. Hein, et un client va surtout sentir. Donc c'est je regarde, je sens, je mets la bouche. Et ça sent très bon. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti, on a passé les 2 minutes, on a sorti nos gnocchi, c'est-à-dire le pain rassis souvent qu'on avait fait en boudin et ensuite qu'on a coupé en morceaux, qu'on a sorti notre eau bouillante, hein, c'est ça. Ouais, puis là, c'est simple, hein. Vous disposez comme vous voulez dans votre assiette, faites-vous plaisir. Faut faire de la déco quand même. Oui, mais on est vraiment sur je me fais plaisir. Voilà, si je me fais plaisir, les clients ne pourraient être que ravis de ce que je fais. Donc là, on est bien en train de faire donc de la récupération de gnocchi de bain rassis au beurre d'herbe, des crackers aux pépins. De potirons et de courges, et ça c'est à ta droite, hein, c'est ici les crackers, et là c'est des morceaux de pois. Tout à fait. Donc on va en faire des millefeuilles de pois croustillantes et potirons. Non, je vais en laisser 3. Voilà, alors mes petits crackers, tiens. Je sais que tu en as envie de ça y est, on peut manger, on peut goûter. Donc toujours les graines de courge. Hein. Donc on voit les graines de courge, il y a aussi. Alors, c'est quoi la pâte autour? On rappelle ce que c'est? Alors, c'est juste de la farine, de l'huile, voilà, pas plus, pas moins. Donc,
pépins de potiron et pépins de courge. Excusez-moi, j'ai la bouche pleine. Vous voyez, notre assiette. Ça présente déjà bien. Et c'est vrai que pour l'apéritif même, les pépins, c'est vraiment une idée à retenir. Parce que regardez, vous présentez ça en apéritif, c'est beaucoup moins gras que les cacahuètes, par exemple. Oui. Et c'est très bon. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, hein, là, on va vraiment utiliser juste la mousse. Donc, pour apporter un peu, on va dire, quelque chose qui va être un petit peu aérien. D'accord ? Parce qu'on est quand même sur du pain. Hein, donc, pour, on va dire, voilà, casser un petit peu ce côté un petit peu pâteux hein, du pain. On rappelle comment tu as fait cette mousse. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Alors, dedans, j'avais simplement du lait de soja. J'ai fait infuser ma sauge. D'accord ? Hein, et puis, j'ai mixé. Voilà, ni plus ni moins. Si on n'a pas de lait de soja, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Du lait, ça fonctionne. Hein. Du lait traditionnel, ouais, du lait de vache. Traditionnel, oui. Va fonctionner correctement. Donc là, je mets un petit peu de sauge, hein, simplement pour rappeler. Hein. Voilà, hein. Hop là. Donc, mes gâteaux, je pense qu'ils sont quasiment prêts. Alors là, on est en train de tout finir, hein, vraiment. Il n'y a plus rien dans le bain-marie, on a tout enlevé, donc c'est parfait. Oui. Là, c'est ton dernier. Ouais, là, c'est le chocolat qui a fondu. C'est le chocolat. Et vu que ben, je commence à avoir un petit peu moins de temps, ben, j'ai pas fait de cornet. On est en train de terminer. Voilà, dans 5 minutes, on aura fini. Vous verrez, nous pourrons passer à table en direct. Ici, dans les cuisines du village AFPA de Stain, il y avait quelques heures, il y a maintenant 3 heures, il y avait des stagiaires en formation. Et on a pris la place, nous, avec Frédéric Djebri, qui est notre chef cuisinier, pour ce challenge zéro déchet. Nos gâteaux qui sortent juste du four. Donc voilà, hein. Donc on a un beau petit gâteau. Voilà. Magnifique. Alors là, tu as coupé ton gâteau en deux. Ouais, c'est pour la présentation. Donc ça soit plus agréable au niveau de l'œil. Merci. C'est joli, c'est très joli. Et c'est appétissant. Donc là, j'attends juste d'avoir un petit peu. Voilà. Donc les petites choses qu'on avait faites tout à l'heure. Donc là, ma petite poudre. Alors on va le montrer. On va montrer cette assiette. Voilà. Redis-nous ce qu'il y a dans cette assiette. Donc là, c'est un travail autour de l'orange. Donc là, on a la petite poudre desséchée. Là, on a fait donc des zestes confits. Là, j'ai des zestes et j'ai la peau. Là, moi, je vais juste prendre un petit peu de. Voilà, juste pour venir. Voilà, ici là. Avec mon chocolat, ça va apporter un peu de goût. Qu'est-ce qu'on fait pour confire le zeste d'orange ? Alors, confire le zeste d'orange, bah, rien de plus, bah, très simple. Hein. Je prends donc des oranges, la peau, et je viens donc la blanchir minimum 3 fois, et derrière, je la mets à confire dans de l'eau avec du sucre. On peut dire que même une vieille orange peut être utilisée pour faire cette recette ? Ah, mais tout à fait. Hein. Voilà, donc là c'est simplement pour rappeler notre gâteau à l'orange. Voilà. Bon ben moi j'ai fini. Alors, ce qu'on peut retenir comme leçon, de là que c'est magnifique, c'est une véritable œuvre d'art, c'est poétique en même temps, c'est-à-dire que même des denrées un petit peu vieilles, on va dire, sans être pourries pour autant, peuvent faire des plats exceptionnels. Et en fait, ça n'altère pas le goût. Le goût est très bon. Un produit qui est un petit peu vieux ne garde son goût entièrement. Alors, moi, un produit qui est un petit peu vieux, le problématique, c'est qu'on va perdre au niveau de tout ce qui va être vitamine. Après, là, c'est vraiment valoriser, on va dire, des produits qui normalement devaient partir à la poubelle, et là ben, qu'on est devenu valoriser, qu'on a été capable voilà, quand même de présenter, on va dire, 2 assiettes avec 0 perte. C'est-à-dire que voilà, hein, je vais pas vous mentir, hop là, voilà ma poubelle. En fait, il reste que du papier. Je n'ai que du papier, voilà, des gants. On la voit pas, voilà. On va la montrer là. Voilà. Je n'ai aucun produit alimentaire à l'intérieur. Donc je pense que ça, c'est intéressant pour les restaurateurs, pour les cuisiniers et pour les clients, parce que demain, il faut quand même penser qu'on vit tous sur cette terre, donc il va falloir...
et qu'on peut faire aussi des plats, on peut faire un repas avec des amis, même dans un restaurant professionnel, avec ce qui aurait pu partir à la poubelle en fait. Ouais. C'est bien ça, on a réussi notre 100% non déchet. On va faire venir, il nous reste 2 minutes, on va inviter les personnes qui sont avec nous, qui ont participé à cette émission, à venir goûter les plats. On va proposer à Nicolas, à Hélène peut-être. Alors, on a Ryan, qui participe à la réalisation de cette émission, mais qui ne peut pas quitter la régie. Donc, on va proposer à Nicolas, à Hélène, qui a répondu et qui nous a transmis vos questions en direct, donc depuis ces cuisines de l'AFPA de Stain. On va goûter. Chef, je te laisse encore, il nous reste un peu moins d'une minute. Recommande-nous, qu'est-ce que c'est ces assiettes? Qu'est-ce qu'on y trouve pendant que nos amis viennent tester nos plats? Donc, sur cette assiette, donc, nous avons un gâteau qui est réalisé donc, avec les peaux d'orange. Voilà. Agrémenté bien sûr d'une sauce chocolat avec des zestes d'orange et des zestes desséchés. Ici donc nous avons donc des gnocchis donc réalisés avec donc du pain de mie, du pain rassis, excusez-moi. Une utilisation donc du petit marron de A à Z, donc la peau, les graines à l'intérieur et une poire, même chose utilisée de A à Z. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est voir un petit peu si les personnes qui étaient autour de moi vont apprécier tout ça. À vous. Allez, Adama qui est avec nous aussi, Hélène, Nicolas. Venez nous rejoindre, venez goûter ces plats, on rappelle, puisque c'est la semaine européenne du recyclage et éviter de trop jeter, qu'il y a 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont jetées chaque année en France, que ça pourrait représenter 18 milliards de repas. Voilà ce qu'on peut faire avec des denrées qu'on récupère. Allez-y, vous pouvez goûter. Allez, je vous laisse goûter. Adama est en train de goûter, il participe voilà, Adama qui participe à la communication de l'AFPA en Ile-de-France. Donc, on a Nicolas qui nous a rejoint. Également Jean-Michel qui, alors, tout le monde est en train de goûter. Votre impression, puis après on va laisser nos amis, très bon. La texture des gnocchis. La saveur relevée avec la sauge, extraordinaire. On a vraiment des produits qui sont pleins de saveurs. Avec un vrai jeu de texture, avec les crackers, les poires croustillantes, on retrouve une assiette très équilibrée, qui se dévore sans pain. Voilà. Pour terminer cette émission, merci de nous avoir suivis pendant 1h30. On était vraiment ici en plateau dans ces cuisines pédagogiques de l'AFPA de Stain, hein, à côté de Paris, avec Frédéric Djebri. Bravo chef, on a réussi notre challenge zéro déchet, hein, tout est recyclable. C'est des formations qui sont proposées à l'AFPA. On parle de Life Foster, on parle de plein de modules à l'AFPA qui sont proposés en cuisine, comme ici dans ce restaurant pédagogique. Vous pouvez télécharger les recettes évidemment sur les réseaux sociaux de l'AFPA. On vous dit à très bientôt sur les antennes AFPA de Twitter, bien sûr, mais aussi de Facebook. On a YouTube aussi qui était avec nous aujourd'hui. Et on vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Au revoir.